Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent and this is a vocabulary video lesson someone asked me if it would be possible to make a little video with phrases and expressions and I thought it might be funny to make it so this is the first part of it and it's vocabulaire phrases et expressions okay so let's start now à demain so I'll try to make you know these intonations that normally we tend to make in French okay so à à demain. all right. à demain. à quelle heure commence? so normally when you get a question like that you should raise your voice a little bit at the end, you know. à quelle heure commence? and then you continue the sentence. okay. à quelle heure commence? à quelle heure est le dernier train? à quelle heure est le dernier train? À quelle heure est le dernier bus okay, keep in mind, you should pronounce this. À quelle heure est le dernier bus À quelle heure finit... And then, continue the, the sentence, OK. À quelle heure finit... À quelle heure l'hôtel de ville est-il ouvert À quelle heure l'hôtel de ville est-il ouvert à tout à l'heure à tout à l'heure appelez-moi un taxi s'il vous plaît okay never forget to use this s'il vous plaît this please thing because french people can be quite tricky if you don't use this s'il vous plaît okay so appelez-moi un taxi s'il vous plaît asseyez-vous okay remember we've got this y so asseyez-vous, asseyez-vous. attendez ici, s'il vous plaît. attendez ici, s'il vous plaît. attention. okay, even if we get this double t, well, it's only one. attention. okay, and sion here, sion. attention. au revoir. Au au revoir, we tend to pronounce it like au revoir, au revoir. Aujourd'hui, il fait mauvais. Aujourd'hui, it's a tricky, tricky word this one. Look, aujourd'hui, keep in mind that the H doesn't exist. Aujourd'hui, il fait mauvais. Okay, you can. Add this mauvais temps if you want, but then you can say mauvais like that. Aujourd'hui, il fait beau. Ok, remember, e-a-u, but then phonetically, o. Oh, il fait beau. Avec plaisir. Avec plaisir. Avez-vous aimé? And then you continue your, your question. Avez-vous aimé? You can make the liaison if you want. Avez-vous aimé? Avez-vous aimé? Avez-vous faim? Avez-vous faim? Remember that here even if you write it A E M phonetically it's un faim, okay? Avez-vous faim? Bienvenue. Okay, so I did put the feminine version like here. So remember that Bienvenue, written like that, should be for a man. Bienvenue, written like that with a, should be for a woman. Okay? And then if you get the plural form, then you've got this S. Feminine plural, a S. Okay? Phonetically, the good thing is that you pronounce them the same way. And it goes like bienvenue. Okay? Don't insist on this a. Uh, bienvenue. Bonjour. Classic one, but still quite useful. Bonjour. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Pardon. Désolé. Okay, so it's quite useful. Just imagine you push someone, you're doing something not really nice to someone, then you should use this pardon or then désolé. Pardon, comment? So, this sorry, so if you want someone to repeat, for instance, pardon, comment? Parlez-vous anglais? Quite useful if you want to know if the person is speaking English. Parlez-vous anglais? Okay, so here you get the verb parler, hein? to speak or to talk. Parlez-vous? And then you put the subject after. Parlez-vous anglais? Permettez-moi de me présenter. Permettez-moi de me présenter. Pourriez-vous l'écrire s'il vous plaît Pourriez-vous l'écrire s'il vous plaît Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à, and then you continue la gare, the station, and then le restaurant, jusqu'au restaurant. Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à? Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pourriez-vous? So you can see that here we really do have this could you, okay? So pourriez-vous, then parler plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît? Pouvez-vous appeler? un médecin. remember this "o" is not really pronounced. Med, médecin, s'il vous plaît. que désirez-vous? que désirez-vous? que s'est-il passé? que s'est-il passé? que s'est-il passé? Que quel bus faut-il prendre pour aller à And then you continue your sentence here. Quel bus faut-il prendre pour aller à? Quel est votre passe-temps favori? Okay, in some cases, maybe you will hear French people use this hobby. Okay, so we just take the same word, but then you pronounce it the French way: hobby. Okay, but then we've got. this word and it does exist so why not using it passe-temps okay quel est votre passe-temps favori quel temps fait-il aujourd'hui so remember if we change the order like we do here because it's a question you've got to make this little liaison between the two fait-il fait-il quel temps fait-il aujourd'hui quelle est votre profession quelle est votre profession? Okay, so in that case we use this votre the polite form for your, okay? Votre profession. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voulez-vous manger? Voulez-vous manger? So, I can, can see that I raise a little bit the voice at the end. Not that much, but still a little bit, just to give the information that it's a question. So, voulez-vous manger? Cela ne fait rien. So, don't insist on the N. Cela ne fait rien. Cela ne fait rien. Cela ne fait rien. Comment? Question, so, a little bit. Comment? Comment dit-on and then you put your word here en anglais Comment dit-on en anglais Comment puis-je aller à and then your sentence continues so obviously it should end with the question mark in point d'interrogation Comment vous appelez-vous Comment vous appelez-vous D'accord. D'accord. De quelle nationalité êtes-vous De quelle nationalité êtes-vous Déjeunons. Ok, so when you use this déjeuner, it's uh, when you take your lunch. Traditionally, we take it uh, at uh, midi, at noon in France, and then dîner will be for the evening. Ensemble, together. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Dou êtes-vous? Dou êtes-vous? Enchanté. Enchanté. Okay, so if it's for the feminine form, it will be with a. e uh, at the end, but then you don't pronounce it, so it doesn't change anything. Enchanté. Êtes-vous étudiant? Or then you get the feminine form here, étudiante. Okay. Êtes-vous étudiant? Êtes-vous touriste? Êtes-vous touriste? Okay. So you should have this accent circonflexe on the top of e, but then when you get a capital, it's Well, technically it should be here, but then it's not. Excusez-moi pour mon retard. Excusez-moi pour mon retard. Il fait très froid aujourd'hui. Il fait très froid aujourd'hui. Il fait très froid aujourd'hui. Il neige. Il neige. So, remember that when we use this uh, neiger, to snow, or then uh, pleuvoir, we use il. OK J'ai compris. J'ai compris. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. J'ai soif. J'ai soif. Je m'appelle. Then you put your name. Je m'appelle. Je me sens mal. Je me sens mal. Je ne comprends pas. Remember, don't insist on this. No. Je ne. Je ne comprends pas. Je ne parle pas anglais. Same thing here, don't insist too much. Je ne, je ne parle pas anglais. Je suis allergique à... And then you put the thing after. Je suis allergique... Here, you get the, this liaison. Je suis allergique à... Je suis content... Or then you can say contente, for the feminine form here. De vous rencontrer. Or, then it would be possible. Je suis content de faire votre connaissance. Je vais bien. Je vais bien. Je viens de. And then you put the name of the town or the countries. Je viens de. Je voudrais, Sorry. Je voudrais prendre rendez-vous. Chez le dentiste. Je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais visiter. And then the name of the place. Je voudrais visiter. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous invite à. And then you continue. Je vous invite à le temps va changer. le temps va changer. merci beaucoup. merci beaucoup. remember many, many letters here, but then phonetically it goes like beaucoup beaucoup. merci beaucoup. mesdames, mesdemoiselles, messieurs. remember, mesdames. Mesdemoiselles, messieurs. Non merci. Non merci. Nous vous invitons. And then the sentence continue. Nous vous invitons. Où dois-je descendre? Okay, so you're, you're in a bus, tramway or then subway train. Où dois-je descendre? Où est le bureau des objets trouvés? Où est le bureau des objets trouvés? Où se trouve la pharmacie la plus proche? Où se trouve la pharmacie la plus proche? And that's it for this first part. The second part is coming right after, but then have a great day. Bye-bye.